Station. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ou comme tu l'as vu sur la miniature, si tu as cliqué dessus, c'est pour un projet mobilette. Là, on se retrouve dans un camion, bien sûr. Bon, ben, c'est euh, la suite de ma chaîne. Je voulais vous faire euh, ma petite intro dans mon camion, bien sûr. Ensuite, on va aller chercher euh, euh, la mule. Euh, on va changer tout de suite de véhicule. La station, moi, je te retrouve dans ma voiture. C'est parti. Bon, ben voilà, hop, les stations. J'ai troqué le QQ contre le Tucson. Et on va chercher ça. Allez. Salut les stations, bienvenue dans la suite de cette petite vidéo. Bon, voilà, on se retrouve devant la mobilette euh, qui est garée là depuis un certain temps. Je vous présente quelqu'un. Oui, viens quelqu'un. On Ce quelqu'un, c'est mon Bonjour. frangin, il s'appelle Mathieu. Et euh, du coup, euh, c'est lui qui avait le projet à l'origine de, de restaurer cette mobilette. Euh, Présente-toi. Ben, moi, c'est Mathieu, le frère de Thomas, bien sûr. <laughs> bien joué. Ben, J'avais l'intention de la rénover, mais par manque de temps, ben, je ne l'ai pas fait. Et du coup, euh, ce qui nous rapproche un peu dans le transport, c'est quoi ben, Moi, je suis mécanicien poids lourd chez un transporteur. Donc euh, voilà, chef mécano. Bon ça y est, la belle moumoute quoi. Nous on peut pas se payer les moumoutes, <laughs> tu vois. <laughs> et du coup, euh, donc toi, t'avais euh, trouvé cette meule là à refaire Ouais, j'avais acheté euh, sur, à Mortin. Mortin ouais, dans le 50, ouais, dans le 50 là-bas. Et du coup, euh, qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu ne la restaures pas ben, Je j'ai démonté le moteur et j'ai pas réussi à défaire l'allumage. Et du coup tu as trouvé la solution maintenant c'était de acheter une meule quoi. Voilà, j'aurais racheter une autre dans la <laughs> qui, qui est tournante. Ouais. Donc nous le but de cette, de cette restauration-là, c'est de tourner, de mettre en route cette meule-là et qu'on fasse des petites balades ensemble, tranquille entre frangin, pour aller boire une petite bouse dans, dans le bar du bourg. Quoi. <laughs> voilà les stations, je te mets un petit time-lapse. On se sort ça de des herbes, des grandes herbes de la Bretagne. Et puis c'est parti les stations. Oh. Bon, voilà les stations j'ai euh, ramené la meule à la maison comme tu vois et euh, petite surprise en arrivant ouais, elle était dans les herbes bien penchées tu vois l'eau euh, a stagné ici j'ai passé le doigt à travers paf terminé donc le cadre cassé rideau j'ai une solution je vais j'ai retrouvé un autre cadre euh, pas très loin de chez moi et du coup euh, cette personne là justement euh, m'aidera beaucoup dans, dans... Dans ce projet, hop, dans cette petite euh, configuration-là, comme, comme tu le vois, il y a un petit problème de fourche. Et bon, C'est pareil, la personne qui me, qui me donne le cadre, euh, il est équipé, il a plusieurs mobilettes. Peut-être que si ça l'intéresse, on fera un jour euh, une vidéo avec lui, euh, avec Julien, s'il si est, si est OK pour. Mais, comme tu vois, regarde, normalement l'axe de la fourche, ça devrait être suivi comme ça. Je vais essayer de te mettre un trait en travers que tu vois l'axe et là comme tu vois la fourche elle est un petit peu renfoncée c'est à dire que la mobilette s'est pris un mur donc voilà les stations c'est monsieur Guillard qui a tordu ma fourche <laughs> comme tu vois euh, je, je dis monsieur Guillard je ne sais pas je ne peux pas te confirmer je ne peux pas te l'affirmer c'est peut-être son petit gamin c'est peut-être son gamin peut-être quelqu'un d'autre on ne sait pas l'histoire euh, de cette mob on ne sait pas mais ce qu'on sait c'est qu'elle est là et on va continuer euh, de faire vivre cette petite meule on va essayer du moins donc, comme tu vois, toi, ben, il a dû se prendre un mur et la fourche eh ben, elle est euh, tordue. Donc, ça, on va, on va essayer de régler ça avec Julien le voisin, justement. Euh, chambre à air, c'est fonctionnel. Euh, je l'ai regonflé. Et tiens, mais je n'ai pas trop gonflé parce que sinon, j'ai une grosse hernie. Euh, toi, avec euh, ça, j'avais la housse de, de sel. Donc, ça, ça va remonter dessus d'origine. Donc, avec ça, euh, la housse de sel, j'avais euh, le Pokéquette. J'ai. Euh, les deux carénages, bien sûr. Bon, le pot je sais pas comment ça s'appelle, c'est le pot euh, bidoute. Tu vois, le carénage d'origine, les deux. De ce côté-là. Et du coup, l'autre côté, tu vois. Tu vois là. Et je, je pense, je suis quasiment, quasiment sûr que c'était euh, la couleur d'origine de la mobilette. Quand tu regardes derrière les carénages, dans la poussière, dans le gras, la graisse conserve, tu vois. On se rapproche de la, de la couleur euh, d'origine. Donc ça, tout bien nettoyé, tout bien dégraissé. Je vais essayer de trouver le râle ou pas. Je ne sais pas. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc j'ai ça. Euh, imagine qu'à l'époque, sur cette meule là, c'est des freins à patins. Un vélo. Ils ont mis, ils ont pris un vélo de base, sans suspension. Aucune suspension sur cette mobilette là. Fourche hein. rigide. La seule suspension que tu as, c'est les ressorts sur la selle. Si. à l'arrière suspension rigide, porte bagage porte bagage donc aucune suspension à part un peu si tu veux dégonfler tes pneus, bon t'avances moins vite euh, c'est tout ce que tu as C'est tout ce que tu, as, que tu as comme suspension donc imagine que tu vois ils ont pris un cadre de vélo ils ont mis un réservoir, un moteur pas bien puissant AV7 il me semble que ce soit que c'est ça, je vais vous le faire voir après je l'ai Renforcer le cadre, une transmission terminée. A l'arrière, c'est quand même un frein à tambour sur ces mobilettes-là. Donc, euh, je ne sais plus si vous lui dit que c'était des mobilettes qui ne valaient pas très, 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 très cher. Euh... Donc, j'ai tout. J'ai le moteur. Aïe ah, la gueule, Robert. Voilà, c'est un moteur AV7. Donc, ces mobilettes-là, savoir que c'est des meules. Donc, ceux qui sont habitués au 51, ou même au Peugeot, je crois bien qu'il y en a qui sont en libre. Après, moi, je connais plus 51. Donc, t'imagines que ton moteur, il est sur ton axe, là, à l'intérieur, sous le réservoir, bien sûr. Tu voilà. Il est ici. Il est comme ça. Et il est fixe. Celui-ci est fixe. J'ai une patte de fixation. Donc, c'est un moteur fixe parce que je n'ai pas de variateur. J'ai juste un embrayage. Bon, ça, je vous le fais voir. Parce que sur certaines mobilettes, avec variateur, du coup, le moteur bouge comme ça, sur l'axe. Tac donc quand tu accélères, tu as ton ta courroie qui, on, qui monte et ta vitesse de, de, de transmission, après tout ça ça suit. Ça accélère. Et donc du coup là, moi mon moteur elle reste fixe, ma courroie ne bouge pas. J'ai pas de, 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 de variateur. J'ai juste un embrayage. C'est quasiment les mêmes choses sur l'embrayage, tu vois. Ma courroie est ici. Donc là, je ne pourrais pas utiliser ceci. Car tu regardes bien. C'est vrillé et c'est pas rond. Donc, celui-là, ça c'est mort. Ça c'est mon embrayage. Pas de... de. Attends, je te montre. C'est pas mon embrayage pour rouler, toi. Là, mon embrayage complet est ici. Là, j'ai mon flasque. Ça c'est mon embrayage pour embrayer le moteur vers la transmission. Tu vois, quand, quand le moteur accélère, prend des tours, c'est cette flasque-là qui fonctionne et tu vois. J'ai des petites lamelles là. rivetées j'en ai trois. Toc, toc, Par la force centrifuge. Par la force centrifuge. La lamelle vient se décoller. Attends, est-ce que je peux te faire voir mieux que ça Là. Tu vois là, Ça, ça s'ouvre. C'est ça qui fait ton embrayage moteur pour euh, envoyer ton énergie du moteur vers ton plateau à part la courroie vers la chaîne vers la roue c'est ce qui te fait avancer et cet embrayage là c'est quand tu veux démarrer ton moteur à la pédale ou à la poussette euh, il me semble que c'est à la poussette ou pédale je ne sais plus euh, du coup ça en grand ça se met tout seul et avec, quand tu pédales ça tourne le ressort est moins dur que sur l'ancien sur cet embrayage là ce qui fait que quand tu lances ton plateau, ça colle, ça lance ton moteur. Et euh, bah, automatiquement, quand tu roules, ça, bah, c'est collé. C'est collé et c'est l'autre embrayage. Dès que ton moteur est en route, ça, ça se colle. Et dès que ton moteur, euh, pour accélérer, euh, tu veux embrayer. Donc là, c'est un peu du charabia, ce que je vous dis. Dès que ton moteur est embrayé, c'est celui-là. Et en route, c'est celui-là. C'est cet embrayage. Mais ça, on va revenir dessus euh, plus tard. Pour l'instant, on est loin de la réalité, très très loin. Euh, et en fin de compte, pour actionner euh, ton. Pédalier, si tu veux que tes pédales tournent en même temps que ton plateau. C'est cette molette là qui est grippée, bien sûr. Donc je peux pas vous faire voir. On fera qu'on prévoit. Je sais plus si je te l'ai dit, je verrai ça. Euh, allumage donc bobine. Donc là, c'est un c'est pas un allumage électronique, donc c'est un allumage mécanique. Donc rupteur condensateur bobine. J'arrive là, top, terminé. Euh, et mon embrayage qui se fout euh, ici. Toi, il se met là-dessus. Donc j'ai les vis, j'ai tout. Mais sur le moteur, j'ai un problème. Parce que je ne sais pas si je vais réussir à te faire voir ça. Dedans, là. Donc. Dedans, j'ai mon piston. Je tourne, toi, tu vois, tu vois bien mon... mon allumage, il tourne. On vit le brequin, du coup. Mais mon piston ne bouge pas. si tu le vois derrière, on n'a pas vu quelque chose passer là C'était la bielle. Donc, je pense que... Ça avait déjà été démonté. Je n'ai pas redemandé au frangin si c'est lui qui avait fait ou pas. Là, j'ai un axe. Je pense que ça, c'est mon axe de qui tient mon piston. Il n'avait pas réussi à démonter l'allumage. Du coup, nous, on va essayer de démonter ça. Euh... Bon, on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Mais euh, la peinture, ça, c'est une peinture d'origine. C'est la, mobi... la mobilette du pauvre qu'ils appelaient. Voilà, enfin, la mobilette du pauvre. C'est la mobilette euh, que tout le monde pouvait se payer euh, pour se déplacer. La moins chère, là, donc la moins chère à fabriquer. Donc, les couleurs, ça c'est la couleur d'origine, bien sûr. Euh, il y a plusieurs couleurs d'origine qui sont sorties avec cette machine-là. Euh, en fin, de, en fin de, 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 comment, de remise en route de cette machine, je vous ferai un comparatif avec. Euh, il y a plusieurs séries. Donc, il y a la série 40, il y a la série donc, euh, standard comme celle-ci, il y a la S avec la fourche. Euh, comment Non, c'est la T, ça. La, je crois que c'est la T donc, avec la fourche télescopique. Il y a la TC. Donc c'est qui correspond à clignotant, donc télescopique clignotant. Et il y a la T, ah oh ben je ne sais plus TCS. La S, ça doit être la spéciale. Et la spéciale, je ne sais plus, je ne sais plus ce qu'il y a en plus. Mais c'est beaucoup de, de petites options qu'il y avait. Ben à l'origine de base, c'était le véhicule. Euh, je ne sais plus ce que j'en étais. Les, les peintures sont venues me, me... me déconcentrer. Enfin bref. Donc on va essayer de se remettre en route. Donc là je vais aller chez mon voisin euh, voir s'il peut me euh, mettre son cadre du coup qui m'a dit. Donc c'est pas la couleur d'origine, c'est une autre couleur. Euh, c'est pas la couleur d'origine. C'est pas la même couleur que celui-ci, mais c'est une couleur d'origine bien sûr. Euh, c'est un jaune. Donc euh, à vous de me dire en commentaire quand vous aurez vu l'autre cadre euh, si c'est euh, on, on part sur une couleur jaune. Il faut savoir que les jaunes étaient comme celle-ci, toutes jaunes avec euh, sur le carénage qui est par terre. Hop. Sur le carénage, je la remets. Et ici, tac. Euh, il me semble que la jaune était jaune en haut et le bas était blanc. Euh, ça, euh, je vous dis, je, je, je vais essayer de vous mettre une petite photo. Tiens, je vous mets la photo entre la, la jaune et la bleue. Et à vous de me dire en commentaire si vous préférez la couleur grise ou la couleur jaune et blanc. Moi, perso, euh, perso, je pense que... Bon, on n'est pas rendu là. Ouais, Qu'est-ce que je dis On verra ça sur le coup. Bon, après, le but de cette. De... mais moi en commentaire, quand comme même, si toi tu préfères le jaune qu'on va voir tout de suite là, qu quand je rev... juste là, maintenant, tac, ou le gris tac, là. Allez, je vais la chercher, on y va. Bon, voilà les stations, on se retrouve le lendemain du coup de ce qui s'est passé hier, mais toi tu as vu ça tout de suite, enfin bref. Euh, et du coup, j'ai l'habitude de, quand je passe, euh, je viens ici, euh, tac, petit, petit, je fais un, un tout petit peu de WD-40 un peu partout, et tu vois, j'ai juste euh, sur ma chaîne. Euh, j'ai juste foutu un coup hier, euh, deux, trois coups dans la semaine, et tu vois, là j'arrive à faire tourner euh, mon, ma chaîne. Bon, bah ben, c'est dur, mais à la longue, je vais réussir à, à mettre un petit peu de WD-40 partout, essayer de dégripper le maximum de choses pour que ça fonctionne. Et du coup, j'ai été chercher mon cadre. Donc là, tu vois, tac, c'est ça. Là, j'ai mon cadre nu. Il est, imp... il est rouillé, bien sûr, mais il est propre. Le doigt passe pas à travers, il y a du. Il y a, c'est propre. J'ai juste à nettoyer l'intérieur. Je viens me, me à commencer à me nettoyer. Et donc là, je vais, euh, euh, à l'avenir, le remplir de coca pour que ça bouffe la rouille, le résidu, tout ça. Rescouer, rincer, resecouer, rincer, resecouer, rincer, ressecouer. pour que euh, les grosses, il y aura toujours, il y a toujours de la rouille là-dedans, toujours, toujours. Bon après, ce qu'il faut, c'est, là, tu vois, il y a presque comme des petits cailloux. Ça, ça, faut que ça sorte parce que ici, à l'origine, on aura un robinet, un robinet, une crépine. Après j'aurai un filtre quand même pour aller au carbu, mais euh, faut toujours, euh, faut plus qu'il y ait de grosses particules. Pas enfin, si tu l'entends. Ça faut que ça dégage. Enfin bref, le cadre il est là, il est ici. Donc voilà, je te le mets en dessous, posé sur la pédale. Toi, à toi de choisir dans les commentaires si tu préfères une jaune, c'est la couleur d'origine, type est jaune ou euh, le bleu gris le bleu gris ou le gris bleu je ne sais pas comment ils peuvent appeler ça d'origine moi j'ai un petit penchant je ne vais pas vous le dire pour le moment je verrai par rapport à vos commentaires si euh, ceux qui pourraient euh, plancher euh, euh, qui pourraient me faire changer d'avis peut-être ou pas euh, moi j'ai mon, mon petit euh, mon petit truc euh, j'ai mon avis et quand tu vois c'est mobilité là. C'est Made in France. Ils ont tous l'auto... Bah, ben, sur celle-là et sur celle-là aussi. Attends, je regarde. Ouais. Ouais, ouais. Ça a été fait à Pantin. Hein. C'est français, ça. Ça a été fait en France. On va essayer de garder ce patrimoine français, là, jusqu'au bout. Donc, voilà, les stations. À vous de me dire... Euh, pour la suite, comment on fait euh, Avec Julien, on a beaucoup discuté hier. Euh, en fin de compte, je me suis euh, la S. Ça doit être la standard, pas la spéciale. Euh, ça doit être la standard, donc la 40 S standard. Donc c'est celle-ci. Après, il y a la 40 st fourche télescopique. Ça, on pourra le voir à l'avenir avec Julien, parce que lui, il en, a, il en a deux. Il a la même que celle-ci, plus vieille encore, et euh, il a la, la 40 T la T. Du coup, il y a la T. Ensuite, il y a la T. C donc c'est télescopique clignotant 40T c'est clignotant et la luxe donc tu peux avoir la T, TCL luxe c'est à dire que tu as les, 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 les chromes il y a des chromes partout le luxe c'était d'avoir des chromes sur la mob je sais plus euh, où exactement je crois que tu te tu dois, tu dois avoir sur le côté du réservoir euh, des baguettes euh, baguettes chromées euh, garde-boue chromée. c'était ça la luxe imagine le luxe c'était d'avoir du chrome mais tu pouvais avoir une 40 Luxe seulement, sans avoir le T. C'était plein de petites options que tu pouvais configurer à, configurer à l'achat. Et du coup, on a discuté par rapport au numéro de moteur qu'on qu a là, là. Donc là, c'est 1 356 712. Donc elle doit être des années. Euh, c'est aussi une, des tranches par année. Par rapport au numéro de moteur, tu arrives à trouver les années. Donc lui, sur la sienne, elle est plus vieille. Donc il a. Donc on a regardé, elle doit être datée des années 71 euh, de 71 à 73. Donc, lui, il a la sonnette de vélo. Il n'a pas de klaxon électrique. Et moi, elle doit être euh, de 74 à 76. Et après, par rapport au numéro de moteur, on arrive à retrouver à 20 ans près. Parce que, c'est-à-dire que ce que me disait Julien, il faisait un numéro de 0 à 1 million, c'était les premières. Donc, jusqu'à euh, 9 millions. Donc, c'était les dernières de la série, de la première, de, de en gros, de, des premiers 20 ans. Et en fait, contre, il ne refaisait pas un deuxième numéro, il repartait à zéro. Donc c'est-à-dire que tous les 20 ans, il repartait à zéro sur un numéro de moteur. Et par rapport à ça, on a à peu près vu l'année. Donc je pense qu'elle est de 64, de 1974. Et la sienne, elle date de 1971. Toi, en 4 ans. Euh, mais c'est pareil, il y a plein de différences. Donc sur les deux mobs qu'il a. Donc le câble qui m'a donné, le jaune, c'est exactement les mêmes. C'est exactement les mêmes. Euh, Est-ce que. C'est même pas les mêmes parce que oui, j'ai des butées de direction que sur celle-ci, je n'ai pas. Euh, tu vois parce que c'était une... Euh, Celle-là, c'était une une C, donc avec clignotant, une TC. C'était euh, donc fourche télescopique et clignotant. Donc les clignotants, c'est juste sur le guidon. Il y a deux, deux pattes qui reviennent euh, chromées avec les boules dans le, dans le bout. Sur le... Donc voilà les stations. Donc à vous de me dire. Tac, je me répète, je me répète. À vous de me dire... Quelle couleur vous préférez Pour la prochaine vidéo, on verra. Je pense qu'on va euh, tous démonter. Euh, peut-être que est-ce que ça vous intéresse si je vous fais euh, un petit peu en accéléré euh, comme euh, de l'ASMR, tu vois, sans bruit, sans commentaire, juste du démontage. Euh, vous allez peut-être entendre en, euh, des euh, des injures parce que moi ça va me gaver que ça vienne pas, donc euh, des injures, des coups de masse. Est-ce que ça vous intéresse les stations que la prochaine vidéo, on se fasse juste une vidéo, vidéo ASMR, euh, une petite introduction où je parle quand même et après juste du démontage sans bruit pendant 8 minutes, les cliquets, la visseuse, la perceuse, euh, la meuleuse, la masse, pff, le bulle, ce que tu veux. Et voilà mon commentaire. Euh, du coup, tu vois, la vidéo est terminée. Le projet, on va falloir qu'on lui trouve un nom quand ce sera en route. Bien sûr, quand elle sera en route, je vous demanderai de lui choisir un petit prénom, un petit nom, un petit surnom à cette meule. Et on va lui refaire vivre sa jeunesse d'il y a... d'il y a longtemps... Donc, euh, les stations, je vous dis, kenavo, à la prochaine. Bye.